Comment sortir des sables mouvants ? Les sables mouvants sont comme le yaourt ou le sang, un fluide non newtonien, c'est-à-dire un fluide dont la viscosité peut varier. La viscosité d'un fluide décrit la difficulté qu'il a à s'écouler, c'est-à-dire sa vitesse d'écoulement. Par exemple, l'eau s'écoule facilement, elle est peu visqueuse. Au contraire, le miel s'écoule lentement, il est plus visqueux que l'eau. La vitesse d'écoulement de l'eau ne dépend que de sa température ou de sa pression. On dit que c'est un fluide newtonien, en hommage à Isaac Newton, le père de la gravitation, qui établit pour la première fois le rôle de la viscosité dans la vitesse d'écoulement d'un fluide. Mais certains fluides ont une viscosité qui peut changer en fonction d'autres paramètres. Prenons par exemple du yaourt dans un pot. On peut pencher le pot, le yaourt ne s'écoule pas. Mais si on le mixe, il devient liquide et s'écoule du pot presque aussi facilement que de l'eau. Que s'est-il passé ? No, sorry. Le yaourt a une structure microscopique complexe. La caséine, c'est-à-dire la protéine du lait, s'y organise en un réseau d'entrelacs tridimensionnels complexes, constitués de chaînettes reliées entre elles. Il y a donc beaucoup d'espace entre les chaînettes, espace occupé par l'eau présente dans le yaourt. Mais malgré tout, les chaînes sont accrochées entre elles et ne peuvent donc pas se déplacer les unes par rapport aux autres. Le yaourt est solide. Mais quand on le touille, on applique des forces, qu'on appelle des contraintes, sur cette structure. On casse alors les liens qui maintiennent les chaînettes entre elles. Elles peuvent à nouveau se déplacer les unes par rapport aux autres. Le yaourt est devenu liquide. Mais comment un effet similaire peut-il se produire dans le sable ? En soi, le sable a déjà des propriétés étranges. C'est un solide, mais il s'écoule dans la main comme un liquide. C'est bien sûr parce qu'il est constitué de grains plus ou moins sphériques qui peuvent rouler les uns sur les autres comme des billes. Les choses changent dès qu'on rajoute de l'eau. Le sable mouillé ne se comporte plus comme un liquide, c'est parce que l'eau agit comme une colle entre les grains de sable. En effet, lorsque de l'eau se glisse entre deux grains de sable, il apparaît une force, qu'on appelle la force capillaire, qui attire les grains de sable l'un vers l'autre. Contrairement au yaourt, le sable, qu'il soit sec ou mouillé, ne devient pas brusquement liquide quand on lui applique une contrainte. C'est une expérience facile à faire. Il suffit de marcher sur une plage. Chaque pas applique, par l'intermédiaire de notre poids, une contrainte sur le sable de la plage. Quand on pose le pied, le sable sec se comporte d'abord comme un liquide. Il remonte le long du pied, se glisse entre les orteils et même peut recouvrir le pied. Mais le sable sec sous le pied se tasse, les grains de sable se rapprochent les uns des autres, au point de ne plus rouler les uns sur les autres à cause de leur rugosité. Et le sable sous le pied devient solide. Sur le sable humide, le sable est déjà solide et l'on ne s'enfonce presque pas. Mais alors, comment un sable devient-il mouvant ? Eh bien, en fait, il faut un autre ingrédient, de l'argile. Et oui, un sable mouvant n'est pas constitué uniquement de sable, mais d'un mélange de sable et d'argile. L'argile a une structure en plaquettes, et en présence de sable, ces plaquettes vont s'agencer en un réseau tridimensionnel complexe, un peu comme la caséine dans le yaourt. Entre les plaquettes d'argile, les grains de sable remplissent moins de la moitié de l'espace, le reste étant occupé par l'eau. Comme pour le yaourt, l'équilibre est rompu si on implique une contrainte suffisamment importante, par exemple si on marche dessus. Les liens entre les plaquettes se cassent alors et l'argile devient liquide. Les grains de sable ne sont plus retenus par l'argile et tombent au fond de l'eau. Le phénomène est même amplifié s'il y a également du sel, c'est-à-dire si l'on est par exemple au bord de la mer. Car dans ce cas, les particules d'argile se collent les unes aux autres et tombent aussi au fond de l'eau. On trouve alors au fond de l'eau un matériau très dense, fait de sable et d'argile, dont il est pratiquement impossible de s'extraire. Si Maxime marche sur des sables mouvants, il va s'enfoncer au fur et à mesure que l'argile et le sable tombent. S'il remue, il augmente les forces exercées sur le sable mouvant, qui se liquéfie donc plus vite, et il s'enfonce donc plus vite. Dans tous les cas, cela cessera bien avant la noyade, car un sable mouvant a une densité environ deux fois plus élevée que l'eau, et la poussée d'Archimède l'empêche donc de couler complètement. Mais ses jambes sont alors prisonnières dans un matériau extrêmement dense. Le seul moyen de s'en sortir,
c'est de les remuer lentement pour réintroduire de l'eau autour des jambes et pouvoir les extraire petit à petit. Mais il faut faire vite. En effet, on ne peut pas se noyer dans un sable mouvant, mais il faut s'en échapper avant que la marée ne remonte.